Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur la partie ISO. Me revoici sur ma partie ISO. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Je viens de faire une selle d'Allosaur, parce que vous m'avez dit que Xena c'était... Ah, viens. Finalement, c'était... Bah, donne-moi là ta... Voilà. Une selle d'Allosaur. Non, toujours pas. On va avoir toutes les selles de... On va avoir toutes les selles possibles et imaginables. Mais on n'aura toujours pas la bonne, ce n'est pas non plus la loser. Bon bah on, voilà, on fait des selles hein, en attendant, tiens donne-moi un peu de viande, t'as pas besoin de tout ça. Donc ce n'est toujours pas ça. Et il n'y a rien à faire, il n'y a pas la selle de la Xénon. Voilà, il connaît pas Xénon non plus, il connaît pas. Il sait pas de quoi je parle, ça c'est bizarre. Pas grave, bon on range cette selle là. C'est pas grave, j'ai encore du métal d'avance. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut que j'aille chercher des baies, pour de quoi se refaire des flèches. Plein, plein de petites flèches. Il va falloir... non, la prime, tu peux la mettre là-dedans, merci. Il va falloir quoi d'autre? Ah oui, et fermer le cristal pour les wyverns de cristal. Parce que tout comme moi, forcément, vous avez envie que j'ai des wyverns de cristal. Mais bah, les wyverns de cristal, il faut donc, vous m'avez confirmé, des cristaux du mode, de la carte ISO. Et donc, il faut fermer le cristal à la pioche en métal que je me suis prise. Non, je l'ai réparée, je ne l'ai pas prise. Ness, t'es un boulet. Un boulet au nez bouché. On va fermer un peu les cristaux, mais j'avais déjà tapé beaucoup dans les cristaux sans que ça ne donne rien. Mais bon, vous avez confirmé qu'il fallait bien faire ça. Donc voilà, aujourd'hui un peu de farm, un peu de craft, et j'espère réussir à avoir des cristaux spéciaux pour retourner voir les wyverns. Mais ça, je vous promets rien. Au niveau du tamming, je vous promets rien. Je vais quand même essayer de tamer quelque chose. Ce serait cool de tamer au moins un animal par épisode. Donc on va voir, et d'abord je vais un peu farmer. La licorne. Alors la licorne, vous m'avez dit de l'appeler Rainbow. Alors pour le coup, c'est une Rainbow Unicorn. Ou Natu. Alors je rappelle, celui-ci c'est un mâle. Non, c'est pas autre option, viens ici. Voilà, donc lui, on va l'appeler Rainbow. Je suis d'accord, puisque c'est un arc-en-ciel, Rainbow. Donc, ça marche bien. Voilà. Et vous êtes très, très, très nombreux à m'avoir donné Natu comme nom. Effectivement, c'est vrai que Natu, c'est un peu la reine des licornes. Mais Natu, c'est une fille. La licorne, c'est un mâle. Alors là, je vous pose une question. C'est vous qui décidez. Est-ce que je fais spawn une femelle licorne pour l'appeler Natu? Comme ça, on aura un couple de licornes roses à paillettes. Voilà, c'est vous qui décidez. Vous me dites ça si, début du prochain épisode, je me mets une petite licorne femelle pour commencer l'épisode qu'on appellera Natu. Voilà, vous me dites. Bah oui, hein, t'aimerais bien avoir une fifille? Je sais pas, ils vont décider. Ok, bon, je vais prendre le terri. Je vais aller chercher des baies avant qu'il fasse trop sombre. De toute façon, je vous mettrai les gammas. On va aller chercher des baignoires et des cristaux. Et peut-être commencer doucement à construire les écuries. Ça peut être sympa. On va construire la base du mode. Toi qui tournes là, c'était niveau pourri. Hein, c'est toujours le même. Fais voir. Niveau 12, ouais, c'est toujours le même. Parce qu'on n'a qu'un Terra. Parce que j'ai jamais retrouvé le deuxième que j'avais endormi. Hein. Tiens, on va faire un peu ce cristal là. Donc on a toujours qu'un Ptera, et bon bah me connaissant, un Ptera ça me paraît un peu léger. Je me connais, il est fort possible que ce Ptera ne vive pas indéfiniment, hein, je m'en excuse par avance, mais excusez-moi, ne pas rigoler. Donc bon, en tout cas avec tout le cristal que je vais fermer, on va farmer, on va pouvoir se faire une super maison en verre. Ça j'aime beaucoup, on va pouvoir se faire une serre pour les cultures et une maison en verre parce que du cristal j'ai beau en taper, j'en ai jamais trouvé hein, du cristal rare pour les wyverns. Franchement, c'est pas la première fois que je pète des cristaux. Mais bon, voilà, comme dit, on va pouvoir se faire des super verrières. Bon, il nous manquera du ciment. Bon, je trouverai bien des barrages de castor quelque part. Oui, et les petits. C'est mieux les petits, peut-être. Non. Hein. Bon, on a du caillou et du cristal. Ouais, hein, c'est pour ça. Hein. Ça marche pas. Je veux du cristal à wyvern. Je sais pas combien de milliers de cristaux va falloir péter. Ou alors est-ce que c'est une couleur spécifique?
Ceux-là, c'est des blancs, moi, que j'ai par ici. Est-ce qu'il faut essayer une couleur spécifique? Je ne sais pas. On reprendra le Ptera. Peut-être essayer d'aller en refaire. Je prends quand même des flèches. Enfin, de quoi faire des flèches, hein. On prend des baies. Oui, bah oui, t'es lourd. C'est un peu ma faute, hein. J'en conviens, mon ami. Tiens, regarde, on va t'améliorer ton poids. Et on va jeter un peu tout ça. Hein, on va garder les baies qui nous intéressent. Hein, t'as pas tellement faim pour le moment. Et de toute façon, à la maison, t'as à manger. Je crois que ces plantes-là, elles récupèrent beaucoup aussi. Ouais. Ah ouais, elles sont bien, ces plantes-là. Eh ben, c'est bien, mon coco. Oh, bon, t'es content, hein? Allez, viens-moi tout ça. Est-ce que toi, tu récupères que des graines basiques, par contre? Tu récupères pas les graines de patates et compagnie qu'on aura besoin pour nos cultures, parce qu'il nous faut des carottes pour les chevaux. Oh oui, c'est un bon coco ça. Des carottes pour refaire des chevaux normaux, des écus. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas hyper fan des constructions, mais à un moment donné, il va falloir commencer à préparer des écuries parce que j'ai pu avoir de place, tout simplement. Et un petit peu de vitesse, parce que c'était un peu mou du genou. On va avoir plein de baies, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, je vais essayer de faire un petit peu de tout dans cet épisode. J'ai le débouché, c'est pas grave, vous comprenez quand même ce que je dis, en toute logique. Je pense que je suis compréhensible. Steve. Enfin, vous avez compris. Hop. Alors on va essayer le cristal là-bas, on aura peut-être plus de chance. On te remet encore un peu de poids. Et on t'enlève encore. Allez, on va te laisser aller B comme ça. Voilà. Oui. Bah t'es bien content, dis donc. Vas-y, récupère-moi les buissons autour. Et on va récupérer les cristaux. On a toujours un alpha là-bas. Ah oh oui, on a toujours le Malteri, c'est vrai. Un petit peu de métal aussi, ça va pas faire de mal. Bon, attends, je reprends des cristaux. On va essayer. Mais je le sens pas, cette histoire de cristal. Je ne le sens pas du tout, du tout. Je sais pas, mais... Pourtant, ils doivent bien en donner à un moment donné. S'il vous plaît, au moins un, quoi. Au moins un pour que je comprenne que je suis dans la bonne direction. Non? Vous voulez pas un petit? Juste un petit cristal bizarre. Non, j'en aurais pas. Juste un, quoi. Allez, quoi! Bon. Bon, on va déjà ramener ça. T'es coincé? Ah ouais, tu m'étonnes. Oui, bah oui, t'es lourd. Oh, toutes ces fleurs! Ah oui! Attends, on va t'enlever tout ça. Oh, ce serait tellement cool d'avoir une wyverne. Bon, à première vue, j'avais été regarder quelques vidéos. Il y en a qui se font pas chier, qui les endorment. Mais c'est vrai que si on pouvait les avoir... Oh, j'en ai encore plein du coup. Si on pouvait les avoir en passif, ça serait quand même extrêmement top. Alors, on va pas se mettre loin pour faire l'écurie. On va se mettre derrière, tiens. On va commencer l'écurie par là. Alors. Donc, ça va être que des structures du mode. Hop. Hop. On va vraiment commencer petit, hein. Elle saute. On va commencer genre Aladar et le Parasaur. Aladar, vous m'avez dit de le repeindre en rose, que de base il était rose, c'est ce qui avait plu à tout le monde. Donc du coup, effectivement, je le ferai. Il faudra que je fasse un peu de popote. Ah. Que je fasse il en faut deux, je crois. Un peu de popote teinture et qu'on le repeigne en rose. Je suis d'accord. Parce que ça ne va limp. Il était rose, il est plus rose. C'est injuste. Il faisait encore 3 avec. Ça fait 5. Tchou-tchou-tchou-tchou. Ah, j'en ai fait 6 du coup. Je prends ces 5 là. J'ai trop cliqué, chef. Hop. Allez, on fait un peu tout, on a dit dans cet épisode. Hop, hop. Ensuite, on va prendre... Ah, mais je suis hyper lourde, quoi. J'ai pas besoin de tout ça sur moi, en fait. Je vais ranger un peu mon merdier apocalyptique. Et dès qu'il fait jour, on part en explo. Donc,
L'arc avec les flèches narcotiques. La fille qui... elle a bugué. Ça y est, elle a bugué la NES. Ouais, range ça. Range ton super truc aussi. Voilà. Et on va donc pouvoir juste craft. Juste une arbalète pour me défendre. Attends, j'ai plus de conneries dans l'inventaire. Si, j'ai encore de la fibre et tout. Tralala. Voilà. Puis les torches, on en a d'avance. Avec. On en mettra autour de l'écurie. Enfin, du ce début d'écurie qu'on est en train de faire, du moins. Et donc, si je prends ça et ça... Alors, je m'excuse par avance, j'ai encore du mal avec ce mode que j'ai pas beaucoup exploré. Alors, il est génial, hein. Il y en a qui font des trucs de dingue avec. Mais moi, je l'ai pas encore extraordinairement exploré. Mais si ça m'a l'air d'être ce que je veux faire... Ah, si, je suis peur. Passe un instant. Voilà. Et donc l'animal est à l'intérieur. Voilà. Impeccable. Ok, on va faire des murs autour. Donc ça, c'est pour par exemple le couple de parasites. On va les mettre par couple, hein, on avait dit. Non, toi non. Non, mais si on t'aime un truc, ça sera autre chose que toi. Hein. Je m'excuse, c'est du racisme totalement, j'assume. Ok, et donc ça c'est moi mon couloir à moi pour passer. C'est un peu léger, surtout pour sortir les animaux. Peut-être me remettre une couche de sol. Bon, en tout cas, on a de quoi faire deux... Attends, tu peux te mettre à côté de ta pote, s'il te plaît? Oh là, ça se met pas tip-top, par contre. Voilà. J'en ai même encore. On va pouvoir faire trois petites écuries. Terror Bird aussi, ça rentrera ici. Voilà, on va faire trois petits box pour petits couples. Ok, donc il faut que j'agrandisse le devant pour moi. Et mettre des murs. Ok. Donc, j'ai pas regardé combien il fallait de sol. Bien évidemment, on va en lancer. De toute façon, des sols, on va en avoir besoin d'une quantité astronomique. J'avais fait quelques murs. Ça, on remet dedans pour le moment. On va mettre des murs. Alors, on peut mettre des murs comme ça ici. Non, pas une arbalète. On se détend. Voilà, des murs avec des fenêtres. Voilà, comme ça les animaux ils voient un peu. Ça c'est pas super bien mis ici. Ça m'a l'air bizarre, mais bon. Ok. Voilà, comme ça ils voient dehors. Ça leur fait quand même de l'occupation. On n'en a plus. Et au-dessus, des murs normaux. On va appeler ça normaux. Hein, bon. C'est peut-être pas les meilleurs, mais bon. Pourquoi les gerbois arrêtent pas de pouiner? C'est fou ça! Ok. Bon, ça ressemble pas... C'est spécial. Mais mes constructions sont toujours un petit peu spéciales pour ceux qui me connaissent. Hein, vous le savez. Pourquoi deux sols? Mais non. Ah, parce qu'il me faut des branchages. Mon petit Terry. Splay. Mon petit Terry. As-tu des branchages? Oui. Attendez, parce que par contre, peut-être arrêter d'ouvrir les portes dans tous les sens, hein? On va quand même se protéger un petit peu. Hop. Ok, des sols. Ici. Et des murs, il n'y en a pas des murs opaques, quoi. Parce que si, ça doit être un mur opaque, ça. Voilà. Ça, c'était un mur opaque qu'ils m'ont offert. Ah, il nous faut quoi maintenant? Il faut du bois. Ok, bon, c'est un mode où on peut ramasser les structures. Donc, ça, je vais pouvoir refaire. J'ai le nez qui coule. C'est horrible. Je suis en train de me liquéfier. Au secours. C'était le moment où glamour est un peu dingue. Attendez. Je pose le bois et j'essaie de faire quelque chose pour mon nez. Aussi peu glamour que cela soit. Voilà. On va relancer encore au moins un sol. Deux. Et plein comme ça. Qu'il va nous en falloir vraiment beaucoup. Je reviens. Ah, glamour, bonjour. Ok. Hop, des murs, des sols. On est pas mal. Bon, puis on arrêtera là pour la construction. On aura un petit peu avancé la construction. Il faudra qu'aussi mettre des comme ça en haut, en fait. Ce sera plus joli, en fait. Des comme ça. Tu peux m'en fabriquer? Bon, on va juste regarder un peu la gueule que ça a. On va voir un petit peu la gueule que tout ça a. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient comme type de structure.
Et le jour va bien finir par se lever. Quelle heure est-il? 1h30 du matin. Pour continuer notre histoire d'exploration, j'essaie de me faire quelques grosses flèches aussi. Voilà, ok, là j'ai plus de place pour mon gros cul. Et donc, on met quand même des fenêtres, mais ça ne me plaît pas. Non. Ah ouais, en fait, c'est des fenêtres rectangulaires. Ah si, j'ai trouvé comment on va les mettre. On va... Ok. Une à carré, une rectangulaire. Ça, d'accord. Ça peut être rigolo. Voilà. Une carré, une rectangulaire. Ou pas. Ou pas. Ou alors là, on va dire que c'est les petits animaux, ils vont être quand même un peu fragiles. On va leur mettre les rectangulaires, qui sont pas trop grandes. Voilà. Et les gros animaux, on leur mettra les ouvertures carrées. Non, attends, parce que ça va casser celle-là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis hésitation. On a aussi les normales. On va regarder ça. Hop. Ok. Oh, je ne sais pas. Je suis pas convaincue des rectangulaires. Surtout celle-là qui se met pas très bien. Peut-être lui mettre une normale à cet endroit-là. Oui, et on avait celle-là aussi. Celle-là, c'est plus pour au-dessus. On met une normale. On met une rectangulaire. Il va stresser, le coco. Et on met ça en haut. Ouais, ça en haut, c'est pas mal. Comme ça, il respire quand même un peu. Ensuite, on remet une normale. Une rectangulaire. Et donc, on a dit en haut. Non, j'ai pas besoin de bola. Ça, mais on n'en a plus. Ah, mais je fais que des conneries. Stop. Hop, une normale, une rectangulaire. Et les carrés, on les gardera peut-être pour les gros animaux. Quelque chose comme ça, on va faire. Voilà, quelque chose comme ça. Au-dessus, celles grillagées, comme ça, ils ont quand même de l'air. Ensuite, on met le toit, espérant que ça tienne. Parce que là, il y a comme un... Schmilblick, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si c'était pété en fait. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Et on refermera. Ah mais on peut fermer avec des fenêtres. Les enclos. Comme ça, ils se voient, mais ils se touchent pas. Et encore du grillage au-dessus. Ouais. C'est pour voir terminer. Hein. Là, il n'y a pas de toit, il n'y a pas les animaux dedans. Il n'y a pas le foin au sol. On se rend pas bien bien compte. Mais je pense qu'il y a de l'idée. Là, hop, on met de quoi monter sans sauter. Non, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Je vous assure, je vous assure. Ah oui, par contre, il faut fermer. Je ne vais pas rester à l'air libre. Donc, pour moi, hop, que des normales. Ça, c'est pour le bâtiment. Hop, il faudra faire des toits. Hop. Il faudra que je me fasse une porte avec une rampe. Une grande porte du coup pour que les dinos puissent sortir. Ouais, il va falloir voir ça. Non, je sais pas, je sais pas. Je trouve qu'on n'est pas si mal. On va ranger tout ça. Voilà. Je verrai la suite après. Au pire, je peux continuer toute seule un autre moment et vous montrer ça une fois que ça aura bien avancé, qu'il y aura quelques mètres dedans. Vous rentrerez peut-être déjà plus compte. Allez, moi je vais tout doucement me préparer à partir en exploration. J'attends que le jour se lève. Et bah, je vous montre ça. Ouais, vous avez vu assez de craft. Je reviens quand je suis prête à partir et qu'il fait jour. Voilà la petite musique du lever du jour. Je vais aller à mon vrai puits parce que l'autre machin, ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Et normalement, avec ça, je peux remplir ma gourde. Ah! Ou alors c'est... ok, donc le puits marchait. Comment que ça... Pourquoi on peut plus remplir une gourde? Mais normalement, mais dedans, et ça remplit d'eau. Qu'est-ce qui se travaille? Alors, faut l'utiliser. Ah, voilà. Boulet. Bah voilà, on a à boire. On a mangé. J'ai une flèche. 5K. Une seule, une unique. Alors, il faudra pas se louper si on l'utilise. J'ai mon Terra. Bah, c'est parti, hein. On va tester un petit peu des cristaux par-ci, par-là. Les cristaux jaunes, je les ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup testés sans succès. Oh, il y a plein de Ptera Alpha. Oh, comment qu'ils sont beaux. Mais donc, il faut des kibbles, donc bon. T'es beau, toi, hein?
T'as l'air con comme tes pieds. Non mais reviens! Reviens Léon, je suis gentil. Voilà. Ah non! Un trodon géant! Au secours! Bon voilà, on va essayer de se trouver un truc un peu cool. Genre le Dodorex la dernière fois, il était quand même bien cool. Ou alors donc des cristaux qui vont bien. Oh un cheval! Mon pauvre, t'as des Terror Bird et tout dans le coin. T'es mal engagé. Par contre, j'ai pas. T'as un Rex et tout. Je serais toi, je resterai là au niveau du cristal et je tournerai autour, hein, mon gars. J'ai pas de carottes. Effectivement, il faudra que je mette aussi en place les structures. Enfin, n'hésitez pas à me dire si le prochain épisode, on peut vraiment faire de l'installation, tout l'épisode. Installer la serre, etc. Que du craft et de l'installation. Ou si vous me confirmez que c'est pas votre dada et non, il vaut mieux faire juste un tout petit peu, voire pas du tout. Et je fais ça hors ligne, hors enregistrement, et je vous montre ce que j'ai fait. C'est vous qui voyez. Bon, on va essayer de se trouver des cristaux bien. J'aimerais autre chose que les blancs. Je vois qu'il y a des cristaux rouges là-bas, mais la zone doit être méchamment dangereuse. Le Dodorex que j'avais vu, je le retrouverai jamais. Je me connais. J'ai pris avec moi le cube de la Xénon. Parce que bon, du coup, si je t'aime un gros truc, ça peut servir. Mais bon, vous emballez pas. Peut-être qu'on va rien réussir à faire du tout. Hein. On va voir. Alors, je vais me poser déjà pour commencer un peu. Ok. Allez, on va faire ce cristal-là. Pendant que tu te reposes, on jettera tout. Il n'y en a jamais, hein, des cristaux spéciaux, les gars. Il n'y en a jamais. C'est une légende. La légende de la map piezo, il y a des cristaux spéciaux dans les grands cristaux. Mais c'est pas vrai, c'est une légende. Voilà, tu es... Que dalle. Regardez. Oui, je jette. Commence par aller. Bon, le champignon, on en a plein aussi. On va essayer de se trouver une autre couleur. Peut-être que ça nous portera chance. Ça t'attend jamais. Il fait encore jour, mais pas non plus top. Il y a de l'eau, peut-être qu'il y aura des petites loutres. Oh, ce serait top ça, une petite loutre. Mais bon. Il y a plein de chevaux. Ah ça, les écus, on manque pas. On va pouvoir se faire une super écurie d'écus. Mais il va refaire... Ah, désolé mon vieux. Il va refaire des carottes. Ah, ils sont violets là, les cristaux. On va essayer ceux-là, tiens. Peut-être que les cristaux violets, ils me porteront chance. Il y a un ours, on va pas le faire chier. Pose-toi. Non, c'est humide. Je vais me mouiller les pattes. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Alors, on avait dit, on ne fait pas chier l'ours. On a pris l'aggro. Oh, casse-couille. Mais non, mais c'est parce que... voilà, quoi. Ah, il y en a un là-bas. Il laissait déjà des aggros, nous, l'ours. Ouais, c'est déjà des aggros. On va essayer celui-là, là. Allez, cristaux violets, ça porte chance. Allez, le violet. Hop, on se met bien au milieu, au calme. C'est bon, il n'y a personne qui va nous bouffer. Allez. Oui. Raffiné cristal, pur cristal. Ok, c'est lequel? Pur. Ça se met dans la barre, le raffiné. Ça se met dans la barre. Ah, merde. Mais il y en a plein. Façana. Runch cristal. Cristal Wyvern. Cristal Wyvern. Il y avait Wyvern. Ah, ça aussi, cristal Wyvern. Raffiné, pur. Ouais, c'est le pur. Bon, écoutez, on en a plein. On va en prendre encore un peu. Ok, il fallait bien changer de couleur. Oh, pardon. Oh, ce serait rigolo ça, un petit autour. Est-ce que j'ai de la viande pourrie sur moi? Non. T'as de la viande pourrie sur toi? Ah oui. Hein? Au cas où on n'aurait pas notre wyvern. Voilà. Le retour ça cogne. Allez, viens là. Ok, on se prend d'autres cristaux. Et on va essayer ça. Ok. On en prend encore un peu. Ah, je suis contente. Ok.
Ok, encore un. La fille qui s'arrête plus. Ah mais bon, s'il faut en donner genre 50, on n'est pas dans la merde, quoi. Genre les purs, on en a vraiment que quelques-uns. C'est les plus rares, donc on va les garder là. Bon, écoutez, avec tout ça, on va voir ce qu'elle mange. Ça nous aura déjà bien avancé. Y a mon coco. Je suis pas trop lourde. Ouf. On va te mettre un peu en poids. Et on va jeter le sable et le cristaux normal. Voilà. Je mets même la gourde là. Ça te va comme ça? Et on va essayer de retrouver des wyvernes. Parce qu'on avait trouvé des wyvernes la dernière fois, mais bon. On va essayer d'en retrouver. Bah écoutez, je crois que je refais encore une coupure. Hein, parce que me voir me balader sans s'étendre, ça va peut-être vous saouler. Donc, je vous retrouve quand je trouve une wyvern ou un autre truc cool. Hein, ça peut être un autre truc cool. Attendez, non. Avant de couper, je teste un rouge. Voir si c'est bien en fait que les couleurs et que c'est juste moi dans le coin où je suis qu'il n'y a pas. C'est un quoi là-bas? Ouais, faut qu'il me voit. Ah, ça marche aussi. Excellent. Ok, c'était bien les cristaux blancs qui ne fonctionnaient pas. Il faut prendre les cristaux de couleur. Ça marche. Allez, allez, cette fois je vous fais la coupure. Je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Ok, là il y a une wyvern. Ah, ah, reviens Léon. Là, là il y a une wyvern. Pose-toi. J'espère qu'il n'y a pas de prédateur dans le coin. C'est pas ma préférée. Elle est méchante en flash. C'est pas ma préférée du tout. Ah mais repose-toi cocotte. Mais on va peut-être la tenter quand même, hein, bien sûr. Tu te poses? Ah moi, elles me font stresser. Hein. J'ai beau me dire qu'elles sont gentilles. Ouais, c'est ce côté, je tourne après comme une proie. Ça fout quand même un petit peu les jetons. Bon, par contre, il faut qu'elle se pose. Je veux dire, il y en a une autre là-bas. Non, c'est un tapéjara. Allez cocotte. Tu te poses? S'il te plaît, j'ai des cristaux. Stop play. Hey, stop play. Tu veux pas manger mes bons cristaux? Mmh, ils sont bons, mes cristaux. On range la pioche. On va pas faire une connerie avec. Dis-moi que tu manges. Dis-moi que tu manges. Mais c'est si facile que ça. C'est si facile que ça. Sérieusement, on a déjà une wyvern. C'est pas ma préférée? T'es un petit peu, comment dire, t'es un petit peu flash quoi. Mais t'es à moi? Oh, t'es moi? Ouais! Oh, c'est trop cool, c'est trop GG. Oh, c'est excellent. Attendez, hop, Sky, tu viens. Et elle est quand même jolie avec sa... sa tronche, ses cristaux sur la tronche là. Comment c'est facile! Oh, elle est pleine de lait de wyvern. Ah, tu vas avoir faim ma cocotte. Attends, je vais te donner de la viande, il en a plein, Sky. Bon, bah vous allez pouvoir me trouver. Vous allez pouvoir me trouver des noms de wyvern. Alors attends, t'es une quoi? Une feu, ok. Attends, on va se poser ailleurs ou je ne sais pas parce que je voudrais te récupérer de la viande chez Sky. On va te mettre à la vitesse. Oui, on va te mettre à la vitesse. Mais tu vas avoir la dalle. Eh mais c'est trop facile en fait! Pourquoi c'est si facile que ça? Attends. Sky, il a suivi? Il se fout de moi. Pourquoi Sky, il a pas suivi? Je l'avais mis en suivi. Mais... il est con ce Ptera. On va pas perdre notre Ptera parce qu'on a une wyvern. Il est où? Oh, il y en a une autre là! Il est là, Sky. Ok. Attends. Suis-nous. Viens, viens, viens. C'est bon, tu suis. J'avais l'impression qu'elle allait lentement, mais en fait, elle a l'air d'aller vite pour lui. C'est bizarre. Bon, tu suis. Regardez comment il a l'air de galérer. Ok. Ok, pose-toi. On est en plein orage. Voilà, on récupère le Sky. Non, vous me suivez, moi. Ah. Vous me suivez, moi. Pascal. Pas... non, pose-toi, d'ailleurs. Pose-toi, Sky. Laisse le singe. Mais il est immense, ce singe. Ouais, c'est un prime. Ah! Mais c'est quoi ce singe? On m'aide? On m'aide? Wyvern? Sky? Attends, attends. Non, je voudrais remonter. Je voudrais remonter. Sky? Non! Mais vous me lopez, toi, connard! S'il vous plaît. Pourquoi elle fait rien, la Wyvern?
mais c'est pas possible. Pourquoi c'est toujours la loose? Mais faites quelque chose. C'est qu'un singe. Sky. La wyvern. Faites quelque chose. Allez. Oh non. 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 Il est où? Enculé. Excusez-moi pour ce mot fort vulgaire sorti de ma bouche. Oh, mais j'y crois pas. Mais pourquoi la wyvern, elle sert à rien? Et j'ai plus de dino volant. Bon. Mais c'est méchant, ces singes méchants moches. Hop, on va se trouver un terrain là, le 15 là qui tournait. Depuis le temps qu'il tournait autour, lui, j'aurais dû le faire. J'aurais dû le thème. Il est où maintenant? Ça le faisait pas un seul Ptera. Et j'ai trop d'affaires sur moi. J'ai la wyvern. Non, il faut pas déconner là. Il faut pas déconner. Il faut que j'aille récupérer ma wyvern. Allez. Oh, mais tu te fous de moi. C'est quand même pas compliqué. Hop, j'ai pas de viande. Je reviens. Il est lent, il est lent, il est trop lent. Allez, cours, Forest, cours. J'avais pas assez de kératine, du coup j'ai dû aller tuer des tortues avec le terri. Ça va, c'est bon, j'ai ma selle. Regardez le temps rouge. Je voulais attendre d'être sur place avant de vous montrer, mais regardez-moi ça, quoi. Comment c'est trop beau. Cette tempête rouge là, c'est vraiment magnifique. Mais alors du coup, on s'y perd un peu, tout est rouge. Donc pour retourner sur la zone rouge, c'est assez concept. Oh, ok, en tout cas, j'ai pas eu de message de mort. J'espère que la wyvern s'est décidée à faire quelque chose avec ce singe à la con. J'ai jamais aimé les singes. Les singes, c'est pas mon truc. Et ça se confirme. Oh merde, j'ai gardé toutes les baies, c'est comme ça. Tant pis. On était là, on était bien, et pouf, le singe qui pète un câble. Sale bête. Je me suis fait vite fait une pioche en pierre aussi, en métal, pardon. Ah merde, j'ai pas regardé son endu. Je suis tellement pressée d'aller récupérer mes affaires et ma wyvern. Et habituée à un terrain digne de ce nom. Hein, parce que là, on a perdu plus de 100 niveaux. Je sais même pas si on n'a pas perdu 200 niveaux. Ok, merci. Donc je disais, j'ai fait une pioche en métal quand même. Peut-être que si on galère, on peut se refaire une wyvern en route, si on en croise une avec des cristaux à côté. Maintenant qu'on a compris comment c'était trop facile à faire. Et j'espère que, faute de récupérer mon terra... Oh, c'est beau. Faute de récupérer le terra qui est mort, récupérer au moins mes affaires et forcément la wyvern. Ok, alors c'était côté rouge, mais c'était un espace plat côté rouge, quoi, en gros. Et on voyait la zone là-bas de loin, où là, il va falloir se reposer. Vas-y, pose-toi. Bon, bah on te met de l'enduit, hein. Enduit et vitesse. Allez, avant qu'il vienne nous kikiner, lui. Bon, à un moment donné, je vais voir mon rayon. Hein. Alors, on était sorti de la forêt rouge. Et on s'était mis sur une zone plate. Oh là là, ça va être la galère. Sur la map, est-ce que j'ai un signe? Non, bien sûr que non. Peut-être par là-bas. J'en ai aucune idée, en fait. Si, si. On avait fait ça parce qu'on avait vu les cristaux violets. Et après, on était parti côté rouge. Et on avait vu la wyvern rouge. Je pense qu'on est plutôt côté plat là-bas. Allez, essayons. Il va pas rester trop au-dessus de l'eau parce que lui, il est mou. Il va falloir encore se poser. Oh lolo, qu'est-ce que t'es mou, mon ami? Tu m'aides pas beaucoup, hein? Ok. Ah, oh, ce fell, quoi. Franchement. Non, mais sérieusement, je t'aime une wyvern et je me fais tuer par un singe. Un singe. Un con de singe.
Genre, je suis un prime, je me la pète, quoi. Sérieusement. Non, là, j'ai trop de trucs, il faut pas que je perde mes... T'es pas à moi, toi. Oh bon, il y en a plein, là, des wyverns. Ok. Ok, mais faut que je récupère mes affaires. Faut tellement que je récupère mes affaires. Je reviens, je reviens. Ouais, c'est bien, ça. Je reviens, je reviens. Pourquoi le sifflement? Voilà, merci. On était sortis des arbres. Oh là là, où est-ce que c'était? Ah là! Là! Alors j'espère que le singe s'est barré. Ma wyvern est là. Je sais pas ce qu'elle fout. Non, le singe est toujours là. Oh là là, il y a mon vautour dessus et tout. Mais vous savez rien en faire de cette... Ah ah, il se barre. Laissez-le! Laissez-le! Venez là! Oh putain! Mais il me... Attendez, on va essayer de l'éloigner. C'est bon, il a plus l'air énervé. Si. Non, mais moi, il faut que je récupère mes affaires, quoi. Non, mais il stationne autour de mes affaires. Il va attaquer la Weaver. Défendez-vous. C'est bon. Oui, il commence à me saouler, ce singe. Hein. Je récupère vite mes affaires. Hop, vite. Alors, le ptère, il va jamais porter tout ça. Bon, on se casse. On se casse. Venez, venez. Il est trop con. Il est trop con, ce singe! Ah oui, il faudrait que je récupère ma selle, quand même. Ce serait top de récupérer ma selle. La selle de Sky. Pour faire un autre ptéra. Non, lui, il va juste nous emmerder jusqu'à la fin des temps. Foutez-lui la paix. Laissez-le, il est trop con. Oh là là, mais il est insupportable. Est-ce que je peux prendre la selle? Ouais, il est occupé. Allez, prends tout. Allez, on se casse. Ah non, je suis trop chargée. Vire de la viande. Hop, mange ça et poids. Faut juste qu'on s'éloigne. Allez, faut juste qu'on s'éloigne un peu. Bon, à mon avis, ce cristal-là, je peux le jeter. Allez, on en jette un peu. Au pire, on en refait. T'es toujours trop lourd, tu te fous de ma gueule. Bah oui, Verne. T'es en train de te faire massacrer par un petit singe. On va y arriver à s'éloigner. Je vais pas acheter mes fringues. Après, je vais me balader à poil. Qu'est-ce qui pèse lourd, ça? La prime mange là. Oui, t'as pas besoin d'encore tout ça de viande. Ah, ça y est. Ça y est, il peut bouger. Et c'est bon, quoi. Laissez-le, lui. Hein. Il est vraiment trop, trop con. Il y en a d'autres, en plus. C'est la colonie des petits singes, ici. On va plutôt prendre la wyvern, hein. Oh là 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 là. Alors. Venez là. Oh non. Qu'est-ce qu'elle a là, wyvern? Attendez. Non, attendez. What the fuck? J'ai pas eu de message comme quoi elle était morte. Elle est endormie? Elle est endormie? Il l'a endormie? Il a endormi la wyvern. C'est un singe qui endort. Oh, le salaud. Alors, attends, ma cocotte. Je vais te mettre ça. Tu vas me garder des trucs lourds. Parce que l'autre, il galère. Vois-tu? Ça, c'était pour l'unique flèche. Garde des cristaux. Ok. Ok. Toi, garde-la. Alors attendez. Garde... Suivez-moi tous. On va aller chercher des baies. Oh là là, mais cette galère intersidérale. Des baies. En espérant pas récupérer la planète.
Non, mais vous vous foutez de moi. Mais t'es fou, toi? Oh, j'en ai quatre, quoi. Ok, le singe en dehors. Ça, c'est assez utile, quelque part. C'est assez bon à savoir. Ça peut servir. Bon, viens là, ptera de con. Oh là 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 là, toi je savais pourquoi je te tamais pas, hein. Oh non! Non, 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 il est là, le singe maudit. Faut pas qu'il nous voit. Désolé, petit gerboa, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, bah je vous retrouve quand elle dort. Oh, il est mignon. Mais j'en ai plein et j'ai un retour. Remonte, putain, d'ailleurs. Oh, putain, il saoule. Il va me la rendormir que j'étais en train de la réveiller, quoi. Enculifard. Tu me saoules. Meurs. Arrête de taper dans ma wyvern. Fous-moi la paix. Ah vas-y, suis-moi. Suis-moi, salaud. Non. On s'en sortira pas avec ce singe. Allez, viens. Connard. Oui, je suis mal poli, mais là, il me saoule vraiment. Oh là là. J'étais en train de la réveiller, j'étais pas loin. J'avais enfin réussi à... Il va me la tuer, quoi. Ah, il me saoule ce singe. Je hais les singes. C'est bon, c'est décidé, c'est décrété. Je hais les singes. Oh, il va nous endormir, il va nous endormir. Fuis. Ah. Fuis. Il te reste TDB. Vite, vite. Ah, il va me la tuer. Ah, il s'est endormi. Je vais mourir. Encore. Ouais. Bon. Bah écoutez, on va arrêter là pour cet épisode. Épisode un peu de fail, hein. J'avais réussi à avoir une wyvern. Là, le singe, il va me la tuer. C'est un peu mort. Du coup, prochain épisode, on va aller entamer d'autres. Hein. On en a vu plein sur la route. Un petit peu dingue de pas avoir réussi à garder ma première wyvern. Mais bon, là déjà, j'ai beaucoup de boulot au montage. Vous allez avoir un gros épisode. Promis, épisode suivant, on retourne chercher des wyverns. Promis, promis, promis. Allez, je vous fais des bouges, je vous dis à bientôt sur cet épisode un petit peu spécial. Il y aurait un petit peu de tout et beaucoup de morts. Voilà, à bientôt, bye bye. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.